Lens 6e reçoit Clermont 10e. Ce match ressemble quasiment à la dernière chance pour Lens qui est à 2 points des places de barragistes pour la montée en Ligue 1 Conforama. Il faut s'imposer. Des Lensois qui ont beaucoup de mal ces derniers temps. Une victoire sur les 7 dernières rencontres. Une série de 2 défaites. Ça va mal pour les 100 et or. Et en plus, ils subissent la première occasion du match. Ça va sur le poteau du but gardé par Jérémy Vachou. Quelle opportunité pour Florian Hayet, le meilleur buteur de Clermont et l'un des meilleurs buteurs de Dominos Ligue 2. Début de match très compliqué pour Lens. Et ça continue avec ce coup de sifflet de l'arbitre. Mickaël Lesage sort un carton rouge contre Jean-Kévin Duverne qui percute Florian Hayet. Catastrophe pour Lens. Exclusion à la 24e minute de Duverne. Des Lensois qui en sont à 0-0 à la mi-temps et qui jouent à 10 contre 11. C'est bien la chance de Clermont qui reste sur 3 nuls et sur 6 matchs sans victoire. Mais il y a peut-être moyen de gagner celui-là et de mettre quasiment un terme aux chances lensoises. Ce tir passe au-dessus. Les Auvergnats ont des possibilités. Ici, le cadre n'est pas trouvé par Johan Gastien. Changement pour Lens. Philippe Montagnier lance Simon Banza à la place de Jean-Hector Bellegarde juste après l'heure de jeu. Il reste encore un petit peu de temps. Le ballon pour Yannick Gomis dans la surface. Il écarte pour Arial Mendy le centre et la reprise de la tête à bout portant de Simon Banza. À 10 minutes de la fin, 10 Lensois viennent à bout de 11 Clermontois. Le premier but de la saison pour Banza. Le choix payant de Philippe Montagnier. Lens mène à 1-0 et se sort d'une situation excessivement compliquée. Les Lensois sont en train de se relancer, de se replacer dans la course à la montée en Ligue 1 Conforama. Sohardis après le premier but. Avec cette nouvelle possibilité, la parade du bout des gants de Rémi Descamps sur ce tir de Souleymane Diarra. Une énorme chance de 2-0. Les Clermontois ont eu beaucoup de possibilités de s'imposer. Ils sont en train de perdre, même s'ils ont une grosse occasion pour égaliser au deuxième poteau. Johan Magnin, qui venait d'entrer sur le terrain, ne parvient pas à trouver le cadre. Jean-Louis Leca, dans les tribunes pour ce match, a eu très peur. Et son équipe s'impose. Victoire de Lens, 1-0 contre Clermont.